Bonjour, bienvenue sur Airsoft 02. Donc aujourd'hui, vous allez voir la review de ma réplique. Donc ma nouvelle réplique, donc c'est un CZ75 P07. Donc une réplique entièrement en métal. Puissance 1 à 1 joule à 1,4 joules. Donc ça dépend des billes que vous utilisez, du CO2 ou même du vent. Chargeur capacité 20 billes. Donc système de la réplique, donc c'est un block back. Donc culasse en métal, intérieur métal. Donc après vous mettez des cartouches de CO2 ici à l'intérieur. Donc sur la réplique vous pouvez adapter un silencieux en bout du canon, vous venez fixer à l'intérieur. Il y a un rail équipé, la réplique est équipée d'un rail, donc vous pouvez mettre une lampe, une poignée. Donc la réplique est grippée sur la crosse, à l'avant, sur les côtés, l'arrière, tout partout, pour une meilleure prise en main. Le cran de sûreté se trouve juste au-dessus. Donc on va passer au fonctionnement de la réplique. Donc déjà ici vous enlevez le chargeur. Donc une fois que le ressort est baissé, vous utilisez le bivodeur pour remplir. Donc moi j'utilise des billes 20 grammes dégradables. Vous pouvez prendre plus de 20 grammes, mais pour la précision c'est mieux. Voilà, une fois que c'est rempli, vous n'oubliez pas de remonter le ressort. Donc maintenant vous mettez la cartouche de CO2 dans la réplique. Donc c'est assez simple. Là vous avez un bouton, vous appuyez dessus, ça s'ouvre. Donc on dévisse pour pouvoir mettre la cartouche. Voilà. Insérez la cartouche dans ce sens-ci. Et vous serrez jusqu'à entendre le petit. Avec le conducteur. Serre. Maintenant que vous avez mis la cartouche, vous refermez, vous remettez le cache, vous mettez le chargeur, vous enlevez le cran de sûreté, vous chargez une fois pour engager la première bille, et vous tirez. Donc on termine par un test de tir sur un carton. Merci d'avoir regardé cette vidéo, regardez nos autres reviews sur la playlist et abonnez-vous. Merci à vous.